lui, ainsi que nous, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mes frères et mes sœurs, c'est le moment de saluer nos frères, mes sœurs et les visiteurs, et ceux qui sont avec nous pour la première fois. Je les demande, alors que responsable de l'église, nous demandons de vous lever là où vous vous trouvez si vous nous visitez pour la première fois. Si vous nous visitez pour la première fois, voilà, levez-vous là où vous vous trouvez. Et nous vous saluons de la part du pastoral de l'église et de chaque fidèle de l'église. Nous vous disons bienvenue si vous êtes de passage à Port-au-Prince. Nous espérons que la raison de votre passage soit un succès et une réussite. Si vous connaissez déjà le Seigneur Jésus, continuez à le servir. Et si vous ne le connaissez pas encore, c'est le moment de le faire avant d'éviter l'enceinte de cette congrégation et vous répondrez ainsi à l'objectif pour lequel Dieu vous a créé. Œuvrez à sa gloire et à l'édification de votre prochain. Nous vous disons bienvenue parmi nous et c'est le moment que Maïs Rose a plein d'aide. Alors, chaque semaine, par ailleurs, nous accueillons, nous disons bienvenue à nos visiteurs, mais c'est la seule bénédiction que nous leur donnons parce que nous les demandons de se tenir debout pour y assister et à ce que nous offrons. Nous demandons aussi deux frères qui viennent de l'église baptiste d'expression française de New York, c'est le frère Jimmy Lyon. Et un autre frère, nous les demandons aussi là où il se trouve de bien vouloir et se lever. Alors nous les accueillons aussi, et ils sont membres d'une église sœur. Nous avons avec nous le pasteur Miguelus et nous ne demandons pas de se lever, mais s'il veut bien le faire, parce qu'il y a le passage. Il y a le passage de la communauté. Merci.
Et j'ai demandé maintenant à la pasteur Nicodice de dire vouloir faire l'assemblée écouter sa voix pour voir si ce n'est pas changé. Nous profitons aussi de cette occasion pour dire bienvenue à notre sœur Cathy Reid. Elle a accompagné le docteur Grégory Moss qui a prêché pour nous le premier dimanche du mois de février. Elle est avec nous aujourd'hui. Et sa Cathy doit retomber. Elle est La bénédiction dans le Seigneur, la paix, la grâce de Dieu, ça va être pour tous. Amen. C'est tout un plaisir pour moi d'être parmi vous, chez moi, c'est sûr, là où j'ai reçu le baptême, là où j'ai reçu le sacrement du mariage, là où j'ai été ordonné. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Comme l'a si bien dit le psalmiste, c'est agréable d'être ensemble. Je vous apporte les salutations de mes collègues, pasteurs, mes compagnons d'œuvre, le pasteur Dorme Palange, qui milite à New York, et de notre frère, le pasteur Wesley Serafès. Il vous dit qu'il ne vous oublie pas, il pense à vous, et nous prions constamment pour que votre église marche de progrès en progrès. Que le collège pastoral s'unisse de telle sorte que l'église devienne de plus en plus forte. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur reste toujours avec vous par le Saint-Esprit. Amen. Merci, Pasteur Métellus, nous profitons de cette occasion pour saluer chacun de vous, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes au mois de mars et vous savez déjà les habitudes dans ce sens qu'on a un nouveau verset pour ce mois. Le mois dernier, c'était le thème de l'amour éternel. C'est pour cela que j'ai conservé ma beauté. Mais cette époque, quand le mois de mars est consacré à la Pâque, à la célébration, au rappel du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour nous, voilà pourquoi je vais vous donner ce texte. Le verset pour ce mois, c'est Ésaïe chapitre 53, le verset 5, c'est par cette meurtrissure que nous sommes. C'est par ces meurtrissures que je suis sauvé, et je suis transformé, et je suis victorieux. Donc, vous allez nous approprier de ce texte et même tout, mais sauf que vous ne devez pas changer la question des blessures, la question de ces meurtrissures. C'est par ces meurtrissures que nous sommes. Et puis, je demande à toute la congrégation de répéter ça pour moi. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, par ces meurtrissures, nous arriverons, par ces meurtrissures, nous sommes sauvés, nous sommes transformés. Par ces meurtrissures, c'est par ces meurtrissures. Et j'ai réussi, c'est par ces meurtrissures, et je n'ai pas échoué, c'est par ces meurtrissures, par ces blessures. Donc appropriez-vous de ce texte, et les bénédictions recueillies, partagez-les avec moi, car j'aime souvent quand vous partagez les bénédictions que vous trouvez à partir de ce texte. Donc, je vous propose de cette occasion pour vous souhaiter non seulement bon dimanche et pour dire que ce mois de mars soit pour chacun de nous un mois de grâce, de bienveillance, d'amour, de progrès et de délivrance en Jésus-Christ. Et c'est pour cela maintenant que je vous demande de vous saluer les uns les autres en disant bon dimanche et bon mois de mars en Jésus. Merci.
vous remercions, mes frères et mes sœurs de Christ, et je vais vous donner la lecture de lettre d'appel à la solidarité chrétienne que l'Église baptiste évangélique de la ville, le pasteur Joël, cet amour a envoyé pour l'Église. Sa femme est gravement malade, donc nous continuons à réclamer vos prières, mais aussi nous réclamons votre solidarité chrétienne. Je demande à Pasteur Fondel de bien vouloir donner la lecture de cette lettre qui demande que vous travailliez avec vos genoux pour cette sœur, mais aussi que vous travailliez, que vous agissez avec vos mains, vos pouces pour cette sœur. Le Révérend Pasteur Jésus Mathieu, premier ministre baptiste de Port-au-Prince. Bienvenue dans le Seigneur, et puis dans vos trois ans, ma part, la sœur Marie-André Saint-Amour, est porteuse d'un régulateur cardiaque. En décembre dernier, le cardiologue, spécialiste de régulateur cardiaque, nous a informé que le cœur c'est lamentablement détérioré et ma femme doit faire l'objet d'une implantation d'assistance ventriculaire pour être mise sur une liste d'attente pour une éventuelle transplantation cardiaque. Et sans ce processus, nous a dit, elle ne vivra pas au-delà des 11 prochains mois. Après plus d'une vingtaine de jours passés à l'hôpital, à Orlando, elle porte maintenant en cours un tube dans le bras droit qui dispense un médicament directement au cœur 24/24 et 7/7. Près d'une cinquantaine de tests réalisés par l'hôpital à Orlando révèlent que la sœur Marie-André, cet amour a un corps sain, mais que le cœur est incapable de pomper du sang dans le reste du corps, que la seule solution est le processus conduisant à une transplantation cardiaque. La spécialiste qui fait réaliser les tests est aussi membre de l'équipe qui approuve ou rejette les cas de transplantation cardiaque à Chance Hospital à Gainesville, en Floride. Elle a déjà transféré le dossier complet de ma femme à cet hôpital. Et ma femme attend un appel de l'hôpital pour un rendez-vous médical et le suivi. Nous avons déjà recueilli des informations de l'hôpital et nous, les membres de la famille, avons pris la décision de nous engager à entreprendre toutes les démarches conformes à l'éthique chrétienne et à l'évangile de Jésus-Christ pour répondre aux exigences de l'hôpital en vue d'attarder le processus conduisant à une transplantation cardiaque pour la sœur Marie-André Saint-Amour. Étant donné que nous ne sommes ni résidents des États-Unis, ni citoyens américains, pour bénéficier des avantages des assurances, nous sommes conscients d'une pareille entreprise qui passe de mille coudées les capacités familiales ainsi que celle de l'Église évangélique baptiste de la ville, à la tête de laquelle le Seigneur nous a placés il y a trop 20 heures. Par la présence, nous nous adressons en conséquence à vous pour vous solliciter de mobiliser les membres de votre congrégation à prier pour la sœur Marie-Marie Saint-Amour et pour la famille Saint-Amour tout entière, et aussi à nous offrir leur concours financier en vue de nous permettre de répondre aux exigences du processus de cette intervention chirurgicale majeure en faveur de notre sœur bien-aimée, Marie-André Saint-Amour. Pour bloquer toute dérive dans cette démarche, nous le croyons absolument nécessaire que tous les dons en provenance de l'Église passent par le couloir du responsable de la vie d'Église et endossera la responsabilité d'acheminer ces fonds par chèque, soit à l'Église évangélique baptiste de la ville,
S'ils